Salut les gens, c'est Francis, je suis en compagnie de Vince. Salut à tous. Bienvenue sur notre partie multijoueur sur Europa Universalis 4, où Vince joue le royaume du Portugal, présent partout dans le monde, et moi, la Scandinavie, présent dans l'hémisphère nord. Voilà, alors petite annonce, on a pas mal échangé avec Vince. Cet épisode sera l'avant-dernier épisode de la série, puisque là on va tomber dans bah voilà l'ère des révolutions et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a plus vraiment de challenge entre guillemets, ça va être juste du blobage pour du blobage et beaucoup de micromanagement. Et le fait est qu'on soit en multi, il va falloir qu'on fasse pause. Bah on va s'embêter à faire pause chacun de notre côté, donc ça va un peu nuire à l'expérience du jeu. En fait, Voilà. c'est soit on fait pause, soit on fait pas pause, mais dans ce cas-là, c'est très difficile de suivre sur tous les fronts. Alors, encore toi, Francis, ça va, puisque tu vois, là, tes régions sont suffisamment proches. Ouais. Mais moi, par exemple, si je suis en Afrique de l'Ouest, en Afrique, en Inde et tout, et en Malaisie, par exemple, tu vois, c'est un peu galère de tout suivre sans mettre de pause. Donc, voilà, on pense que ça va plus être chiant qu'autre chose si on doit faire pause tout le temps, en fait. Alors, pour résumer, en fait, c'est de la faute à Vince Ouais, qu'on exactement, arrête c'est le. de ma faute Voilà, d'avoir conquis le monde. c'est de ta faute parce que moi j'aurais pu la continuer, donc merci beaucoup. Je plaisante, non mais voilà, de toute façon là on commence à avoir fait le tour. Bon voilà, c'était une première partie, c'était pas trop mal. Et puis le fait est que, à titre perso, on a les vacances de Noël qui arrivent. Là on va tourner deux épisodes et on veut éviter que ça soit encore de manière que les épisodes sortent de manière distendue, parce que là vous avez dû attendre 1 à 2 semaines je crois avant de voir cet épisode-là. Ouais. Donc c'est pour éviter de vous infliger ça. Voilà, parce qu'on a 10 vies perso, Exactement. on n'est pas H24 sur le jeu. Donc voilà. Ouais, exactement. Bon, bah je te Du propose coup, de lancer, si t'es moi je te dispo. propose de te déclarer la guerre. Bah Ah oui, avec le CP impérialiste, ça serait gratuit quoi. ouais, hein, si Ah tu ouais, veux, bah vas-y. ouais, mais sauf que bon, l'Autriche, la Castille qui viendrait me défoncer le zizi, ça serait pas très bio quoi. Ouh là là, que c'est lent. Ouais. Oui, alors j'avais taqué de surexpansion parce que j'avais pris des provinces ici et là, ok. Moi, L'Italie, j'ai peut-être des bientôt la moi. rébellions un peu partout. Bon, je me propose de commencer à lutter contre la corruption. Pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans une certaine partie que je nommerai pas. Et je vais gagner en stats pour la peine, voilà. Très bien. Ah oui, politique gratuite. Vitesse de recouvrement militaire. Ouais, pourquoi? Ah, nainé! J'ai pas chopé le bon. La morale navale, on va prendre plutôt. Mais non, bravo, de toute façon. Je me suis trompé. Et là, je sais pas pourquoi je ramenais mes troupes en Allemagne du Nord. Mais on va attaquer Lübeck. Parce que. Et toi, ça va être gestion de révolte, c'est ça? Ouais, ou pas. Ah bah tiens, en parlant de gestion de révolte, fallait pas attendre longtemps. Perm. 32K. En vrai, j'ai que ça. En fait, je suis à 91% déjà de. Ouais, c'est vraiment agaçant cette surexpansion là. Et j'ai pas forcément les idées. Qui vont bien quoi. Les idées qui te font baisser l'agitation ou autre. Donc voilà. Ok. Ouais, vas-y, va par là toi.
Alors, ma chère, j'ai peut-être bouffé du bec quand même. Putain, mais ça me trouve le cul d'avoir que 25%. Tellement de trucs, tellement de trucs à convertir. T'es où, pépère? Ouais, ben là, on va faire du cirage de bottes vite fait. Puis outragé deux fois. Voilà. Alors. T'es loin ton aspiration à la liberté? On va gagner en mercantilisme. La Louisiane scandinave, je l'avais oublié celle-ci. Ah oui, c'était. Le truc qui servait à rien. Ok. Ok, alors, peut-être une union personnelle sur l'Italie. Ouais. Bah, ils ont pas, il a 45 ans, leur roi. Ouais, c'est mon roi. Ah, c'est bête. C'est ma dynastie. Ouais, bah ça sera peut-être. Hein. Oh, je me fais pas d'idée. Hein. Par contre, 60 000 troupes ici, nope. Ah, ça n'avait pas. On va prendre. Ouf, c'est pas mal, toi. Allez. On va dégommer les pueblos. Ah oui d'accord, ok, j'avais oublié à quel point c'était lent de se déplacer. Il nous faut quand même les messieurs. Hein. Ouf. Le Munster a quelques petits problèmes. Alors par contre, on va peut-être baisser légèrement la lutte contre la corruption du coup. Voilà. Bon, je vais tenter la vitesse 3. Vas-y, tente. Pour l'instant, ça a l'air stable. J'en fous. Bah écoute, vitesse 3. Ah, c'est en début du mois où ça picote. Bon, on laisse vitesse 3, puis ça gueulera quand ça gueulera. Le Brandebourg n'a pas d'héritier. C'est vrai que j'ai une grosse coalition contre moi, en vrai. J'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, t'as les Ottomans. Oui, t'as tout le... Ouais. T'as tout le sud-ouest asiatique et puis le Moyen-Orient, quoi. Bon. Ah, la noblesse polonaise a franchi des terres. Bah franchi, écoute. Franchi. Faire un état. Pas en tape cet état. L'état de Lübeck serait légèrement plus intéressant, je pense. On perd 33 points en administratif. Ah, j'ai cliqué sans faire exprès, mais c'est pas grave. Eh ben. On va faire comme ça. Pause. Pause, pause, pause. Oui, c'est bah t'as fait pause, t'inquiète. Oh. Rivalité déclarée, c'est ça, non? T'as pas vu ce qui s'est passé? Non, j'ai eu plein de fenêtres, j'ai tout coupé d'un seul coup. Je vois Bon bah juste que je te la laisse chercher. Grande-Bretagne a officiellement affiché, a pris l'Autriche en tant que rivale, c'est ça? Non, je te laisse trouver autre chose.
trouves pas? C'est en Europe au moins, aide-moi. C'est par rapport à toi. Alors, je peux te déclarer la guerre. Moi, je suis content. J'ai combien d'hommes en plus? À peu près 80 000 hommes en plus. Coucou les Rito. Tu sais que je peux te déclarer la guerre pour faire une guerre de succession. Bah tente. Tente, je vais On juste tente re... ça pour finir. Franchement, t'es allé à qui toi aussi? T'es allé à la Castille, à l'Autriche. Non Moi mais je... moi le truc, je te le dis, c'est que toutes mes armées ne sont pas en Europe en fait. Ouais, mais moi ce qui me fait juste peur, c'est le... Ceci dit, l'Ottoman. De quoi, mais ils sont pas avec moi notamment. Non, 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 mais il pourrait profiter pour te backstab. Est-ce que je sais pas si je te déclare la guerre? J'ai Bah pas du tout les armes. franchement, de toute façon, c'est les deux derniers épisodes. Hein. Moi, je voulais juste avoir Lübeck, parce que j'ai un petit cancer en plein milieu du Jutland. Voilà, c'était juste pour avoir Lübeck. Après, si tu veux qu'on se déclare la guerre, bon, j'ai pas mes réserves ma militaires qui sont au max, mais bon, c'est pas grave. Tu peux faire ça. Ah non. Bon, ok. Allez. J'ai J'ai pas pas fait fait exprès. exprès. De toute façon, ça devait arriver. Allez, cette bonne guerre, moi, ça me va très bien. Bon, alors, qui est quoi? Oh non, 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 non. Jaune, Alors, j'ai pas attends. fait exprès. Que... En fait, Ouais. j'ai déplacé des unités, j'ai appuyé sur entrée et ça a Tu validé mens la comme tu guerre. respires. Tu mens comme Je un... te promets, je te promets. C'est J'étais vrai? en train de déplacer des unités. Ok, Gros, d'accord. pourquoi je te. Gros, toutes mes unités sont pas là. Ouais, mais ça se trouve, c'est ce que tu fais. Tu fais exprès de faire ça. Pour Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'idée. J'ai perdre. aucune... C'est ça pour perdre. Non, mais ça peut être fun. Alors, donne-moi juste, par contre, juste un petit truc. Je veux mettre un nouveau siège au Parlement avant de rentrer dans une guerre qui va déchirer l'Europe. Bien commerciaux, c'est où là-dedans? C'est vrai que par ordre alphabétique, c'est pas pratique. Et ben voilà, ça va nous réveiller, ça. Alors. Non, c'est le pillage, ça. Pas ça. Quand tu veux, mon cher. Mais tu vas sûrement gagner, hein. Bon après de toute façon c'est avec un casus belli comme ça qu'est-ce qui se passe? Je peux que... Je sais pas, on verra. Ouais, ok. Ça va 10 pépère. Ok, je pense pas que je puisse prendre... Bah attends, si je te fais la paix, admettons, est-ce que je peux... Ah bah non, on a aucun diplomate envoyé. Yeah. Par Ok. contre, je suis chaud pour que tu mettes en vitesse 2. Ouais, étrangement. Bah attends, moi je vais avoir sûrement les Autrichiens qui vont me tomber dessus. Bon, plus 5% de discipline, ça peut le faire. On va renforcer le gouvernement. Voilà. On va... Ça, je m'en branle. Je vais en prendre un nouveau. Tu nous fais agitation. Allez, Une tête de on se mort. dépêche. Ah, c'est bon, attends, je calcule tout pour que ça passe bien. Bon. Ok. Ok, bon. Qui vivra verra. Allez, go. Vitesse 2. Je regarde juste qui va... Vas-y, Zergoute. Good. Alors. Ah bah il n'y a que toi et moi. Ça va être le bordel, je vais me concentrer que sur ça, les révoltes, Et je vais c'est... pas les gérer. Ouais, sachant que c'est prendre la capitale, c'est Rome. Ouais, je sais. Il va falloir... Allez, On va... allez, Bah c'est toi qui as fait pause. allez, allez. Ah oui, c'est vrai. Le mec J'étais il dégoûté m'engueule depuis tout à l'heure. Alors là. voilà. J'ai la Grande-Bretagne qui est avec moi. Bon, la Bien Grande-Bretagne a sûr qu'il y a quelques ces petits problèmes. enculés, hein. Bon voilà, déjà les Portugais vont faire le taf. Les... Ok, parfait. Ah, on est dans l'ère des révolutions.
Parfait, t'as d'autres mauvaises Voilà, nouvelles? une révolte. On va perdre de l'argent, c'est pas grave. Bon, faut faire attention aux Autrichiens, ça va sans dire. Est-ce que mon union personnelle, je peux en créer une... Mais ça y est, ça commence. Deux Ouais. d'inflation, corruption... Bon, on va gagner de l'inflation, c'est pas grave. On Eh est gros, riche. commence pas. Moi, si je savais le ré révolte que j'ai. Ah, ça va être de ma faute, ça va. Bon, vas-y, c'est bon. Putain, ouais, par contre, je suis dans la merde. Ah, je peux pas passer À par... la Navy France anglaise. Britannique, ouais. Par contre, je peux absolument pas passer par la... Par la Pologne. Ils veulent pas me laisser passer, ces pleutres. Abusé quoi, le nombre de révoltes. Münster accepterait. Faudrait Münster, Palatina et Wittenberg. Bon bah écoute. Demander l'accès militaire. Pas grave. Et demander l'accès militaire quand on le pourra. Voilà. Maintenant je peux aller taper sur les Autrichiens. Toi, tu vas retourner ici, bon voyage. T'as pas d'héritier, toi? Kazan veut passer, oui, passe. Oh putain. De quoi? Ah, j'ai... Attends, j'ai... Fini gros, ça sert à rien de continuer là. Moi, je veux bien continuer. Oh c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu sais le nombre de fenêtres que j'ai là? Oui, bah là, attends. Castille a refusé de rejoindre. Savoie a refusé de rejoindre. Ok, les Autrichiens ont rejoint. Bon. Gros, honnêtement, je sais pas si on va faire un deuxième épisode. C'est Là, contraint. gros, c'est un... là, c'est impossible, gros. Ah bah je suis sur la map diplomatique. C'est Pas mort si j'allais quoi. te voir. Ouais. Là, j'ai l'Amérique du Sud, toi. Ouais, voilà, super. Non, bon, on va continuer ça et on verra, mais je sais pas si je suis motivé là pour passer Ouais, bah je te comprends totalement. Là... une heure sur ces deux guerres. Encore, tu vois, la guerre contre l'Italie, elle est marrante, parce que c'est Ouais. entre nous et tout, et le butin, il est quand même ultra stylé. Ouais. Mais les Ottomans, je ne sais pas si j'ai la foi. Attends, je regarde juste ce qu'ils voudraient si je lâche. Il voudrait reprendre Constantinople, je pense. Ok, c'est bon, tu peux continuer. On continue. Attends, t'as... Ah oui, d'accord, ok. J'ai lâché quasiment rien. Ok, bon, bah parfait, tu vois. Ouais, très bizarre, mais... Ah, les Italiens sont en train de perdre à Coni. Oui. What the fuck, man? C'est moi qui les attaque, mon gars. Putain, merde, il y a la Savoie qui revient, bordel. Putain, j'ai fait de la Allez, merde, je... défoncez-les! Défoncez ces enculés de Scandinaves! Oui, super, Ah, les gars! général! Magnifique! Attends, ils vont vous niquer, gros, c'est en montagne. Non, c'est pas en Non, montagne. c'est la Non, c'est pas forêt, chaud. mais j'ai un... je fais des jets de dés de merde, ils font des neufs. Allez. Allez, t'as les Autrichiens qui arrivent au sud. Hein. Ouais. C'est bon, belle victoire. Ah, dégagez, putain de fenêtre de merde! Ah, gros, je lag comme jamais. Ah ouais, bah je veux bien te croire là aussi. Ah, oh, fuck, Yes, man! bravo. Ah putain, ouais, t'avais les autres qui arrivaient.
Ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Mais j'ai fait trop de la merde là. J'ai fait trop de la merde. Oh putain, Mais je moi crois je que vais me j'ai. faire défoncer. Ouais, mais ça rame, mec. Je Ouais, comprends mais je rien. sais. Hein. C'est horrible. Ah, pourtant on est qu'en vitesse 2, quoi. Bon, ok. Allez, elle est Je où me mon fais armée, Ekel? défoncer. Les Autrichiens, ils sont trop forts. Bah, je sais pas, ils ont combien de morale, mais visiblement assez pour mettre Les des baffes, quoi. Italiens, les Italiens sont trop forts. Bon. On va se replier à des endroits corrects. Et on va essayer de rattaquer en bonne intelligence. Mais remonte au nord toi aussi, triple con, va. Ah, c'est vrai, t'avais. Et les Anglais. Moi, il faut que je récupère mon moral. Mais tu sais que tu vas la gagner, la guerre. Ouais, mais là, vu comment ça rame. Je peux, hein, je pense que je peux largement la gagner, c'est pas le problème, mais bon. Ah bah voilà. Ouais, je m'en fous, allez. Compliqué. Ouais. Heureusement qu'il y a les Autrichiens, parce que sans eux, Non, les Autrichiens font le taf, ouais. mais même avec eux, c'est très compliqué. Bon voilà, on peut redescendre. Mais gros, j'ai tellement de révolte, c'est... C'est ton problème, c'est pas le mien. Et en plus j'ai perdu. Et évidemment. Ah, ça peut faire la différence. Alors attends 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes. Ouais, t'inquiète. Je cherche juste mes révoltes. Allez, un pot de guerre. Assaï, casse-toi. La surexpansion, elle se finit quand? Ok, elle se finit bientôt. Ok, je pense que je vais gérer limite de force mercenaire atteinte. Ok. Et lui, je le mets là. Ok, c'est bon, je vais te niquer, mon gars. Ok. Bah, les Anglais, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils ont des problèmes avec leur révolte. Mais débarquez, bande de pleutres. C'est vrai, les Anglais sont dans la place, c'est très bien. Allez. Le but, de toute façon, ils sont pas à Rome, il faut qu'ils prennent Rome. C'est ça le casus belli, donc on a encore une chance. On peut tenter de faire sortir l'Autriche assez rapidement de la Ah guerre, mais... oui. On peut et on va. Ok. Très bien. Direction générale. Toi, commandant, ici, dégommer les Savoyards. Notre meilleur général en siège. Ouais, ils sont tous les deux bons. Réseau d'espionnage sur eux. Voilà. Reste là. Reste bien groupé. Merde, ils ont pris ça. Ah c'est bon, je suis sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai perdu des provinces. Mais non, c'était le... Ça faisait partie de la coalition. Trêve veut la paix. Déjà? Ils ont enculé.
De lâche. Bah maintenant je suis en trêve contre trêve. Mouais. C'est tout pour Lol. moi. Moins 49%. Ouais, non. Ton feu. On emmène tous les canons disponibles pour cette bataille contre ce siège de Vienne. Concrètement, je sors les Autrichiens. T'es à poil. Mais ça compte pas, ça. Bah. C'est une stratégie comme une autre. 7% à Vienne. Attends, je suis désolé, hein. Là, j'ai des trucs, en fait, divers qui sont pas par rapport à la guerre, il faut que je les fasse. Vas-y, Alors, vas-y. j'ai un siège au Parlement, ça me saoule, tu vois. Ouais, ça c'est le truc. Juste récupérer. Qu'est-ce que ça, je peux? Ok, désolé. Pas de soucis. Ouais, un petit coup de répression implacable. Moi la paix. Allez les Autrichiens. Niquez-les. Putain. Allez, 7%. On est en combien en capacité de siège? 30 jours. Ah, putain, parce qu'il y a la défense autrichienne. Ouais, ok, d'accord. Super, bon, j'ai un héritier, il a 1-1-1. Moi, je trouve que ça se passe bien cette guerre. Bon, je sais pas ce que les Britanniques font, mais vraiment pas. On a remporté le siège de Polotsk. Ok, parfait. On va aller au Tressin. C'est quoi? C'est une forteresse de montagne de niveau 6. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça donne en termes de victoire gagnée. Ah ouais, on gagne pas mal de... C'est les batailles navales qu'on gagne pas mal. Allez, 28%. Oh non, j'ai des Autrichiens en Sibérie. Oh non. Non. Ils vont perdre toute leur attrition. Yes! Siège de Vienne rempli. Voilà. Anti-suédois et est assiégé, écrit. Ah! Par les Italiens, tiens donc. Bien les Ritales. À Constantinople. Non, vous ne prenez, vous ne prendrez pas à C'est Constantinople. le but de ma partie. Bon, je pense que peut-être l'Autriche, là, elle va être un peu calmée. Ah, elle reste en élevé, l'Autriche, hein, mine de rien. Ils font bien le taf, hein. Les Autrichiens ou... Oh ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? 10 de prestige. Non, on peut faire ça. Moi, je suis en train de piller Vienne. Là, les Autrichiens sont en train de bouffer... Ok, là je pense qu'on peut peut-être pas. C'est sympa, franchement c'est excitant en étant la partie. Ouais, là c'est bien, ça redonne un peu de blason à la partie, c'est vraiment cool. Ouais, puis c'est quand même marrant. Ouais, c'est bah pour l'instant on se bat pas encore, on se bat par procuration, mais c'est l'idée. On a perdu le siège du Narbonnais, ouais ça va, ok. Les Autrichiens s'occupent de détruire les prétendants au trône britannique. Amusez-vous. Moi, ce que je vais faire pour gagner du temps, on va faire ça. Toi, tu vas à Vienne. Ouais, parfait. Va peut-être falloir que...
que je peux rembourser en emprunt? Non, j'ai 4 emprunts. Aïe. Mal. J'aurais même Bon, j'ai m'étonner. aboli l'esclavage. C'est bien. C'est très bien. La priorité. La priorité de la partie, c'est bon, on peut arrêter les gars. Attends, deux secondes, parce que du coup j'ai toutes les fenêtres qui me disent que les provinces n'ont plus. Modif d'impôt, non, j'en vois pas l'intérêt encore. Attends, deux secondes, je suis désolé. Un truc que je comprenais pas. Mais c'est vrai que je peux plus appeler les Espagnols dans les merdes. Oui, je revendique des choses. Allez, ça tombe ça. Port de montagne, c'est toujours compliqué. Hein. Peut-être que l'Autriche voudra la paix là. L'Autriche veut la paix. Non. Et je vais dire à l'Autriche, donne des trucs. Saloperie. Ok. Attends, pause. Pause. Si les Anglais se cassent. Si les Anglais se cassent, moi je reste pas indéfiniment en Autriche, ça c'est clair. Vous allez me faire la gentille des réparations de guerre. Ah, ça passerait pas. Ah, ça passerait bientôt. Je vais attendre. Je vais attendre. J'ai au moins des réparations de guerre. On a pris ta capitale, mec. Voilà. Réparation de guerre, ça passe. Parfait. Vendant des revendications en Italie. Non, ça passerait pas. On a peu de thunes, hein. Faut qu'on rembourse nos emprunts. Voilà. Donc l'Autriche se casse. Parfait. Maintenant, on va s'amuser à ma façon. Toutes les armées, Lisbonne. Toutes les armées, Lisbonne. Toutes les armées, Sérieux? Lisbonne. Ah ouais, non, mais là... Oh, attends. Toutes les armées posent à Parme. Crois que je n'ai pas vu ton armée de mercenaires là qui se balade dans le coin. On va Tu parles? rembourser notre emprunt par contre. Qui arrive à terme bientôt. Hop là, voilà. Oh, gros. Non, ça passera pas Suce là. au Ça Scandinave! y est. Alors là, j'ai fait clic droit attaquer. Ah putain, foiré. Voilà. Allez. Ah mais regarde, je peux rien faire gros. Ah, t'as 100K quand même, mec. Hein. Putain, il y a 30 000 hommes qui foutent que dalle. Retournez. Putain, la vache, la bataille. Allez. T'es en défense, Ouais, je suis à t'as des... défense, T'as... ouais. Je suis en En défense. montagne, t'es en défense et t'as tout de mieux que moi. Et là, regarde, et là en plus c'est les... Ils ont 6,6. Ouais, franchement, les 30 derniers... Ouais, bon, c'est bon, laisse-moi. T'avais 4 000... Attends, cette bataille. Attends, pause, je veux juste te voir. Attends, mais en plus eux, ils vont se faire éclater les 20 000. T'avais un putain de général, par contre. T'as perdu... 100 000 hommes, 100, ouais, 100, un peu plus de 100 000 hommes. Moi aussi j'en ai perdu, Attends, ça, ouais. elle est où la bataille? C'est tout en bas? Tout en bas. Ah non, moi j'ai... Non, c'est 190 fois 218. Où tu l'as vu ça, toi? C'est à Coni. Peut-être c'est par ordre alphabétique. Tu regardes la première de Coni.
Ah, dans le registre. Ouais. Je sais pas, tu regardes d'où, toi? Ah oui, merde, oui, je regardais le résultat de la bataille. Oui, d'accord, ok. Une armée de Scandinaves de 218 000 hommes a attaqué une armée portugaise de 190 000. Ouais, mais non, là, je suis solo, hein. Je suis solo. Je suis solo. Vas-y, hein, joue. Ouais bah. Ah pardon, excuse-moi. Ah, mais en vrai, ils vont te faire défoncer. Voilà, ça va être un stack wipe, hein, en bonne et due forme. Tu peux remercier les Italiens, hein, parce que solo, je te bouffais, hein. Ah ouais, les Italiens, ouais, t'es. Mais t'avais un putain de général quand même, bravo. 6-3, 6-3, ça, ils sont en boost, quoi. Bon allez. On va se regrouper ici pour souffler un peu. Parce que notre armée a besoin de souffler là. Voilà. On va prendre des généraux, bien évidemment. Voilà qui est fait. Ah, foiré, va. Oh, les it. Ah mais t'es un monstre toi quand même, t'as combien en morale? 6. Je suis sûr que t'as plus que moi en plus. Qualité des armées, morale. Non, non, attends. Attends, tu peux mettre pause? Bien sûr. Moi j'ai un bug. Ah. Non, t'es en train de perdre, hein. C'est pas un bug. Attends. Ok. T'as pas mis pause. Ah si, 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 pause demandée par Francis. Okay. En fait, moi j'ai eu un petit freeze pour un moment. Enfin, j'ai que des freezes. Bon. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon pour moi. Ouais, non, par contre, la bataille à 100 000 hommes, là, je vais pas me la tenter. Ah, je vois ce que tu veux faire. Tu veux contourner par le nord des Alpes. Eh merde, putain, vous allez vous faire stack wipe. Allez, suce aux Italiens! Non, pas aux Italiens, laisse-les, les ritos. Bon, attends, remarque si tout le monde y va. Non, ça va, t'auras Non, que un cas. il y avait T'auras que des bouffé qu'un femmes. cas, c'est bien. Pas mal! Très bon move! Allez, 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 allez. Oui, les infos de guerre. Allez, les Rital! Moi, ça devrait le faire. Ah, t'es bloqué par le fort avec tes renforts de 64 000 hommes? Ah non, t'es en train de te... Hein? Bon, c'est bon, c'est fini, gros. Non, c'est là, c'est terminé. Voilà. T'as plus que des canons en première ligne. Mais oui. Là, je t'ai envoyé une un traité. Alors, admet la défaite. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'admets ma défaite. Oh mon lapin, 28%? Attends. T'es vraiment un Attends. fils de chien, hein? Tu veux quoi?
Je veux. Voilà. Je tente, hein. Ah bah ouais, tiens, c'est étonnant. Non, alors plus sérieusement, la Savoie, c'est un de tes vassaux? Non, c'est un de tes alliés. Ouais, je veux juste bouffer un truc à la Savoie et puis voilà. Oh, mais attends, la Savoie. Horrible. De quoi? Ah mais ça rame de mon côté, c'est... Bon, moi ça va, hein. Je pensais que ça aurait été Moi pire. ça ramouille un peu quand même, c'est un peu de casse-pied. Le trêve avec l'Islande a expiré, vraiment. Bon, est-ce qu'on fait, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'en faire un autre ou on finit avec ça quand même? Écoute, je vois pas ce qu'on fera de plus au prochain épisode parce que ça, on va se Bah, remettre de c'est ça. cette guerre, ni Parce plus ni moins. que, et puis là, c'était beau quand même. Ouais, c'était Puis moi, sympa, franchement, c'était je finis par une victoire face aux Italiens. une victoire face Fort aux... anti-suédois. Au Ah. fort anti-suédois. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu voulais terminer là-dessus. Je comprends. Allez, laisse tomber, j'ai 4 stacks, normalement ça me fait 180 000 hommes. 160, là j'ai 70. Bah moi j'aimerais bien juste donner des trucs aux Italiens pour tout dire. Ah, bien joué les Suédois, mine de rien. Merci. Ah tu crois que je la vois pas ta petite incursion dans le Jutland? Ah, les Suédois, ils battent les Italiens là. Les Regardez Suédois les battent gars. les... Ah les Savoyards tu veux dire. Ouais. Putain, ils ont un général trop fort les Italiens. Allez, allez, putain, ils ont que des. Gros, ils ont jamais eu un dé au-dessus de... en dessous de 6. Oh Ah, putain. 0. Mais Et on on a a gagné. perdu. Super. Franchement, je pourrais directement aller à Lisbonne. Ouais, non, mais je te vois faire ce que t'as envie de faire là, c'est... Et gros, c'est mes dernières forces. Ouais, Moi, je veux juste donner des trucs aux Italiens et puis ça s'arrête là, quoi. Attention, son score de guerre, il peut encore évoluer de... Ouais, ta colonie va perdre. Bon, ça donne quoi? Je peux toujours rien bouffer? Ah oui, d'accord. Oh, bah voilà. Bah voilà, moi je veux ça. Concrètement. Hop, hop. Ça, c'est l'offre. De quoi? Non, bah attends. Voilà. Plus toute ta thune. Bon, je pense qu'une fois que on aura pris la capitale. En train de d'attaquer les pauvres Suédois, les pauvres Savoyards. Ça va, y'a, ouais. Fier de toi. Non plus, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 12. Je vais éclater un mec comme ça. Attaquer les faibles. N'empêche, la partie n'aura pas eu de gueule, hein.
T'as, t'es quand même à 100K quoi. Je voulais te déloger avec juste 30K, ça va peut-être pas le faire. Eh bien, si t'as des couilles. Hein. Avoir des couilles à être suicidaire, c'est totalement différent, mon ami. Mais je vais tenter. Je vais tenter un truc. Le Nivernais. Oh non. Allez, casse-toi, Nivernais. Voilà. Putain. Ouais, marche rapide. Oh, elle est là. Mais putain, mais lave Non, ta main, ça. j'avais tenté une invasion de Rome là. Ah, bien vu. Ah, mais je pensais pas qu'ils avaient une navy comme ça. Mais l'Italie, c'est un pays vachement fort une fois qu'il est formé quand même. Mais Leurs oui. doctrines et tout sont vachement propres, quoi. Il est cheaté. Bon, écoute, félicitations, hein. Je Enfin, en veux vrai, donner des... remercie l'Italie. Parce qu'en Comment? 1 contre 1, je sais pas si ça aurait été pareil, honnêtement. En 1 Franchement, en contre un 1, je contre sais un, pas. ça aurait été très short, quoi. Mais c'est le fait que Vienne, j'ai pu la sortir les Autrichiens très très rapidement, et ça a vraiment joué, quoi. Bon, du coup, on fait un épisode un peu plus long, mais il y en aura qu'un Ouais, au lieu de voilà, deux, c'est je ça. pense. C'était quand même assez épique, en vrai. Ah, ouais, moi j'ai bien kiffé, la petite La adrénaline. grosse bataille là, 200 000 hommes, franchement, Ah ouais, franchement, je m'en souviendrai, c'était... c'était tout ce que j'avais, hein. Puis après, il y en a eu une deuxième, t'as vu, Voilà. un peu plus haut. Voilà, j'ai donné des provinces à mon vassal. Maintenant, on va aller ici. Et Où ici? on va juste montrer comment ça se passe. Ouais, C'est où vas-y, fais ici? ton gamin, fais ton gamin. Ouais, d'accord, ok, fais ton gamin. Tu peux pas passer, il y a un Hambourg qui est un fort. Je peux passer, figure-toi. La merde. Non, 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 je peux pas passer, t'inquiète pas, tu peux splitter ton armée. Ah, mais je vois des Suédois avec le drapeau exilé revenir. Ouais, bah justement, je vais en profiter. Toi, comment ça va? Ça va, sur une échelle de lundi, je vais être bien. Voilà. Voilà, encore une victoire face aux Italiens. Ouais, attends, tu vas voir ce qui va se passer au Jutland. Alors moi j'ai du mérite, hein. Bon? Moi j'ai du mérite. Ah bah si tu le dis. Regarde le stack, je vais faire un stack wipe italien. Les becs. Parce que t'es en train de profiter de. Ouais, j'ai fait un stack wipe de l'armée italienne, hein. Ah putain, Lubeck. Casse les couilles. Et Allez. casse-toi. Non, 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 non. Techniquement, t'es plus que moi là. Je vais demander à mes alliés de venir Part. vers moi. Voilà. Waouh, hey, les gars, pause, une minute. Mais non! Quoi? Ah putain, Je je suis vraiment pas. bloqué avec le fort de Brême, ouais. Et Cambourg. Ouais, c'est ça. Oui, c'était... Oui, Hambourg, qu'est-ce que je dis, Brême? Ah, terminé une mission. Ouais, bah on va tenter, écoute. Allez, la dernière. Voilà. J'ai gagné une bataille navale contre tes colonies, je suis le plus grand. Ah, bien. Allez, 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 les gars.
Enculé, t'as gagné en morale. Ouais, mais ça, je pense pas que ça suffise. Là, franchement, ça va être très crack. Hein. Ça va se décider où j'ai le dé... T'as plus de morale. Allez, 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 allez! Non, Ah j'ai 0,9. Oh là 8! là, le Yes, le petit zéro dans ta tronche! c'est un scandale. Bon, t'es faible, hein, je pense que... Retraite sans condition. Bon, néanmoins, je suis en train de me faire lobotomiser en cas... Oh. Non! Attends, t'es sérieux? Si je fais ça, ça passe? Mais il veut quoi cet enculé? Putain. Pourquoi Hambourg, gros, prince Constantinople? Pourquoi. Non. Bon, ah, tu veux vraiment que... Oh bah je... Ah, attends, j'y réfléchis, c'est une offre alléchante. Je veux pas? Ok, attends, j'ai mieux, t'inquiète. Ah, j'ai douillé quand même à cette partie. Vas-y, j'accepte. Non mais attends, c'est... Franchement, allez, je vais être sympa. Je veux que tu fasses... Vas-y, fais une vraie offre sérieuse, j'accepte. Sérieuse? Franchement, une offre sérieuse, voilà, je vais la faire là. Ça, bon après, il faut pas rêver, hein. Voilà. Voilà. Ça, chez moi, c'est sérieux. Ouais, j'y pensais. J'y Merci, pensais, fort j'y anti-suédois, donc fort anti-portugais. Bon, et bah bonne fin. Bonne fin de partie, honnêtement. Ouais. Marrant. Et franchement, la PU sur l'Italie, GG. Hein. Ouais. Là, En voilà. plus, t'en avais parlé juste avant. Ouais, j'ai des pouvoirs de mentaliste. Mais malgré que c'était un roi de ma dynastie, bah, il n'a pas voulu aller chez moi. Et grâce à toi, je peux prendre l'institution lumière. Prendre les dernières techs. Même si ça sert à rien, mais comme ça je me dis je suis content. Et fort anti-portugais, bah fort anti-suédois, je l'ai renommé comme il se doit. Tu fais bien. Voilà. Bon bah voilà, j'ai une belle Italie. Ah, je suis content pour l'Italie. En plus, je l'avais dit depuis le début. Ah, ça serait stylé que l'Italie soit formée. Ouais, elle est formée et elle est mienne. Bon, elle a quand même pas mal de désir à la liberté. Hein. Ouais. J'aurais terminé quasiment toutes mes missions. Ouais, mais moi, t'étais combien de niveau militaire? T'étais 25, j'étais 24. Bon, c'est pas ça. Enfin, si, quand même, il y avait des canons meilleurs, Ouais, ouais. les canons, je l'ai changé avant la bataille. Bah, pas avant la bataille, mais quand je commençais à revenir vers la Scandinavie. Et Il me manque j'ai quelques perdu pas unités. mal, un peu de territoire avec cette guerre. J'ai perdu un truc au Bouganda, Ah, avec la guerre de coalition? là. Non, ça c'est des rebelles que j'ai pas géré. La guerre de coalition c'est en Inde là, j'ai perdu Madurai Ah. et un autre truc. Mais en vrai la guerre de coalition je lâchais que deux choses donc. Mais t'as même pas lâché Constantinople. Ouais. Et... Oh, parfait. Je peux me Est-ce que je crois relever... ils ont pu. Je peux être Ils ont un pu. Ah si, empire. toujours encore. Voilà, je peux me relever... Je me suis élevé en tant qu'empire. Bon, bah Ah que voilà. maintenant? Ouais, que Bon, au moins maintenant. je finis. Alors, je finis quand même la partie toujours première puissance et de loin quand même. Donc, ah, je suis quand même satisfait de ça. Ouais, bravo, bravo, je... Après, bah, Voilà, niveau ta militaire, gueule. t'étais quand même bien meilleur.
Ouais, mais toi au T'as niveau. des idées quand même que j'ai pas, tu vois. Ouais, bah moi j'ai la discipline et puis je suis protestant aussi. Donc Mais la morale, t'es assez suite, hein, t'es le premier. Ouais, non, c'est moi j'ai corrompu Si. des fonctionnaires avant de partir. Voilà. Ah, Lübeck, j'aurais bien voulu te déclarer la guerre quand même. Juste pour Et dire puis que je suis. j'ai la Cassie qui a pas rejoint, hein, qui a pas rejoint ma guerre. En fait, ils auraient rejoint ma guerre offensive quand ils auraient fini leur petite guerre, mais le fait que les Ottomans m'aient déclaré la guerre, bah eux, ils ont brisé l'alliance, tu vois. Du coup, après, j'ai pas pu les appeler, alors que de base, j'aurais pu. La Castille, ça t'aurait été utile quand même, hein. Ouais. Pas tant que ça, ils sont pas super forts, mais ça aurait été des hommes en plus. T'aurais Tu sais, tué pour la des hommes en bataille plus. de 180 000 hommes, là. Ouais, la bataille de Coney, ouais. 30 000 hommes en plus, ça aurait fait la diff, hein, parce que je pense qu'avant le dernier stack italien, je pense que je te battais, honnêtement. Ouais, je pense. Elle était vraiment stylée, en vrai, la bataille. Ouais, la bataille là, putain, vache. Mais t'as vu, j'ai quand même su reformer toutes mes troupes et tout. Je suis assez content, en vrai, Ouais, mais niveau t'étais full stratégie. Je Mercos, trouve hein. que j'étais pas... Bah ouais. Là, manpower, je suis à zéro, quand même, hein. Bah, zéro aussi. Zéro Je suis à aussi. zéro. Je C'est suis à coûtant, hein. Walpole. Ah non, mais je suis à poil de chez à poil. Mais en vrai, tu vois, j'ai dû perdre 4 stacks, 3-4 stacks, je crois. Mais ouais. Ouais. En vrai, vraiment un bon kiff, tu vois. Je pense que Ouais. le multi, pour ça, c'est vraiment stylé, honnêtement. Ouais, juste pour shoot sur la gueule à la fin, c'est surtout quand il y avait les GT, putain. Ah franchement, c'était plaisant, ouais. Mais tu gardes Constantinople. Bravo. Et ça, Ouais, c'est mais juste pour honnêtement, toi. Constantinople, quand je l'ai pris au début, tu vois, les Ottomans, ils étaient pas si forts. Et le but, c'était vraiment de les niquer, mais au final. Bah au final, c'est ça le problème d'un multi, c'est tu t'éparpilles un peu rapidement, quoi. Ouais, et puis surtout avec un pays colonisateur. Si j'avais eu un pays, je sais pas, Continental. comme l'Italie dès le début, tu vois, voilà. Ouais. J'aurais vraiment pu me concentrer sur les Balkans, alors que là, j'étais bien en Afrique, en Inde, en Asie, Ouais, en t'as Amérique, bien. tu vois. Bah de toute façon, on va faire un petit tour dans le registre, je pense, quand même. Score nationaux. Je suis cinquième. Et t'es. Ah putain, t'es juste au-dessus de moi, quoi. Attends, non. Ouais, Non, ça c'est le si, si. classement. Le score. Ah non, qu'est-ce que je dis? Non, non, je dis de Si, la si. merde. Ah oui. Ah putain, ouais, bah de peu quand même, quoi. Ensemble. Ouais, bah là, je pense Ouais, que. Ouais. toi, tu m'aurais dépassé, hein. Si on continue, tu me dépasses, Ouais, hein. bah là c'est parce que là t'as du revanchisme et tout, et puis maintenant bah chez l'Italie quoi. Ouais, mais t'as ta carte de victoire, t'as vu? Ah tiens, la carte de Regarde, victoire. dans ce mois-ci, t'as Novgorod plus 1. Tu vois ou Ce pas? mois-ci. Alors attends. Page 4, 3, c'est ça? Ah ouais, Novgorod plus. Ah c'est vrai, je l'ai. Attends, c'est quoi les cartes de victoire? Des territoires que tu contrôles et qui te donnent du score en Ouais 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 multi. ouais je suis d'accord. Mais En fait, j'ai c'est mis ce qui tout. t'empêche de rester allié avec la même personne tout le temps, tu vois. Ouais. Ah putain, moi il me fallait encore des Une provinces province. Smolensk et Taureau Pécasse. Il me fallait ça avant en carte de victoire. Et toi, tu les as tes cartes? Ah bah non, toi les cartes de victoire c'était avoir la moitié de la péninsule ibérique. Ouais, super. Ah, donc en fait j'aurais dû mettre un coup de poignard dans le dos des Espagnols dès le début, mais c'est pareil, est-ce que je me concentrais sur l'Europe ou est-ce que je me concentrais sur C'est Europe, ça, tu mais vois? c'est ça que j'aime pas en fait dans la colonisation, c'est quand tu colonises, tu oublies tout. Bah, ce qui est réel au final, hein, parce que c'est ce qui s'est passé dans Ouais. la réalité, mais moi je préfère un gameplay Oh, européen, mais il en y a soi, je plus suis de d'accord. challenge. D'accord. Mais bon, tu vois, si t'avais pas une Grande-Bretagne aussi forte, enfin, franchement. La Grande-Bretagne t'a pas mal bloqué quand même. Ah, carrément. Et puis la Grande-Bretagne qui a découpé la France. J'ai essayé de libérer la France en tant qu'État suzerain, mais ça n'a pas marché. Ah, ils sont avec moi, les Français. Hein. Ouais. Il fallait que je les conquérisse, etc. Le etc. donc. but, c'était. Pour moi, le but, c'était de rendre des provinces à la France, là, quand Ouais, c'était ça ton plan à long j'ai fait terme, une ouais. paix. Mais j'aurais dû envahir Londres et tout, tu vois. C'était impossible. Ma Il y navy, a. je l'ai pas assez bien gérée, parce qu'honnêtement, j'avais les moyens de les défoncer. Là, je pourrais avoir 200 bateaux de plus, tu vois. Ouais, mais comme ouais, voilà, contre les Britanniques, t'aurais pu gagner. Mine de rien, le protestantisme est la deuxième. Attends. Ah, il y a la troisième religion dans le monde. Catholique, sunnite, et après, c'est le protestantisme, avec 20 pays. Je regarde un Orthodoxe, peu. ils ont... Ils existent plus, non?
C'est quoi la province L'église préférée? catholique, l'État. Bon, L'orthodoxe. l'orthodoxie, ouais, bah, de toute façon. N'existe plus en tant qu'État. Non, n'existe plus, il n'y a que des provinces bâtardes, entre guillemets. C'est quoi la. Alors, développement provincial, c'est laquelle la plus grosse province? C'est Ming, c'est Huangzhou. Ming est dans et à 100 de développement, plus de 100 de développement avec ses deux premières provinces, le Brabant, l'Ottoman, l'Autriche avec Vienne. Je suis pas dedans, ça m'étonne, putain. Il reste encore des colonies possibles, ça on s'en fout, ça on s'en fout, les conseillers Non, mais là j'ai mes trois militaires. colonisateurs, tu vois, je pouvais pas me concentrer. Non mais c'est ça que j'aime pas dans la colonisation, c'est blobé en fait. Tu blobes, tu tapes sur les pueblos, c'est plus vaste quoi. Ancien chef d'État, qualité des armées donc. Ouais, l'Italie est quand même en troisième puissance quoi. Et si, je sais pas si, ah bah non c'est. Je peux Si pas en faire l'Italie, une ils ont déjà marche, c'est une décidé. PU, je peux pas en faire une marche ou un truc dans le genre, je pense. Non, non, Non. non, c'est vraiment une PU, quoi. Ok. Ouais. Je vais Ouais, soutenir leur indépendance. non, oui. Bah, ils ont 29, donc. 19, 19. Ah oui, pardon. Fatigué. Ah, putain, ouais, c'était assez épique. Ouais, et c'est qui a la plus grosse armée? C'est Ming, après Ottoman, et après toi, Portugal. Mais t'es à Bah, poil, tu roules au Mercos, quoi. ils étaient répartis sur le globe entier. Ouais, Déjà, j'étais. que j'ai honnêtement que j'ai pu ramener 200 000 hommes, j'étais surpris. Ouais, franchement, non. Pour savoir plus Quand de tu me problèmes disais que pour les t'avais ramener. rien sur le continent, je me suis dit, bon, bah c'est bon, la route de Et Lisbonne est ouverte. gros, au début, ma seule armée, c'était 38 000 hommes au fort anti-portugais. Ouais, bah voilà. Et Ah, bon, là, ceux tu qui vois, ont. j'ai quand même 100 000 hommes encore, mais sur 4 stacks de 40, en fait. Ouais, bah voilà. Eh, hey, t'as pas perdu tant de. Tant d'armées que ça, hein, toi, en fait, au final. Ah là, je suis à 215 sur 396. À un Ah moment, si, j'étais à c'est. 360. Ah si, je t'ai pas vu. Attends, au total, t'as Ici, au 212. max, j'avais genre 360. Ah non, depuis le début de la partie, t'as perdu à peu près 291 000 hommes. Et moi, j'en ai perdu. 91 000, c'est tout, c'est pas possible. 291 000. Non, 2 000 Oui, voilà. 091 000. Voilà, excuse-moi. Ouais. Fatigué en ce moment. Et moi, Bah, j'en c'est ai perdu beaucoup. deux fois moins que toi. Ouais, Ouais, mais c'est c'est beaucoup. toujours, c'est ce que je dis à chaque fois, ça te remet des trucs en perspective. Hein. Tu re regardes les morts de la première ou seconde guerre mondiale. Rien du tout quoi. Perte maritime. Alors qui a perdu le plus de bateaux? Venise a perdu 369 bateaux. Putain, mais L'Italie. Cuba 152, mais ils sont pétés, Cuba. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en perdre 152? Ça doit faire 150 ans qu'ils existent. Putain, l'Italie aussi. Ah, en revenu, t'es le troisième. Ouais, mais j'ai revenu, je sais pas trop vraiment faire. Hein. Je pourrais avoir plus, je pense. Je sais pas. C'est le commerce. Bah, le commerce te donne pas mal, mais pas tant que ça, à voir. Hein, parce que quand tu compares la Grande-Bretagne, Mais c'est ça que je te dis. Hein. Après, le. Ottoman, ils ont que 122 là aussi, donc je sais pas. Mais tu vois, Castille. Ouais, c'est. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Castille, c'est Gênes. Aragon, c'est. C'est. Castille, c'est Séville. Aragon, c'est Gênes. Italie, c'est Gênes. Mais Tchagatai, c'est en 140. Ouais, mais Ouais. ils ont une bonne partie de Et le l'Inde, nœud donc. commercial le plus riche, c'est bah, c'est le nœud de Séville qui est le plus riche. Après t'as la Manche et t'as Gênes, ouais. Comme quoi. La Castille, ils sont 52%. Ah oui, c'est qui a les biens commerciaux du coup? T'as quoi comme biens commerciaux toi? T'as le commerce du pinard. Ah non, ça c'est l'Italie. Toi, t'as le commerce Priorité. de l'or, bravo. Le commerce des Tu vois esclaves, ça où? bravo. Page Tu vois 39. ça où? 39. Page Bah, 39 du les livre. esclaves, je les ai déjà abolis, gros. Ouais, non, Qu'est-ce qui mais me saoule? c'est ça, c'est une aberration ce truc-là. C'est tu libères les esclaves, mais avec le commerce des esclaves, t'as plus de 25% de frais de douane. Mais, copain. Ah, t'as plus 2 de Mais non, tu vois, réputation du. premier producteur, France, avec 28%, et nous en produisons zéro, ils me disent. En fait, je suis Ah bah. premier parce que la France est mon vassal, je pense. Ah oui, tu l'as par définition, d'accord, ok. Pense, T'as le hein. commerce de l'ivoire, plus 2 de répute, pas mal. Ouais, t'as tout le commerce quoi. T'as le commerce des épices, du Pierre kawa. précieuse, ouais.
T'as le commerce du Ah, sucre. mais c'est des bonus de merde. Bah, c'est pas le meilleur, quoi. Tolérance envers la seule vraie foi. Réduction annuelle de l'inflation, c'est pas mal, hein. Et moi, j'ai fourniture navale. Et commerce du cuivre, ouais. Et après, ça, c'est les marchandises. Et après. Ouais, mais t'as pas le bonus, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi. Putain, la Castille a quand même un putain. L'Aragon et la Castille ils ont quand même un fat revenu hein, au global. Séville et Aragon, ils ont Gênes aussi. Ouais. Donc, Gênes, Ouais. Séville. Ouais, ils ont. Ouais, l'Italie est quand même en deuxième. Troisième, pardon. Quatrième, putain, je vais y arriver. Portugal, ouais, t'es pas trop mal. Je pense que je vais déclarer la guerre à l'Italie. Ouais, non, mais Non, c'est. bon, bah écoute, en tout cas, c'était vraiment kiffant. Il y Ouais. a, y a eu. Il y a eu un petit, des petites pauses assez fréquentes quand même, donc tu sais, pour qu'on suive à chaque fois, c'est. C'est quoi? On Ah oui. oubliait un peu à chaque fois où on en était, tu sais. Mais de mon côté, c'était cool. Ouais, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et puis, ce que j'aimerais bien voir, c'était les Donc on statistiques, s'en quoi. refera sûrement, les gens. Ouais. Après, quand, je ne sais pas. En 2019, qui sait? Sûrement en 2019, mais quand il fera. Bah, on va quand même pas terminer sur la fameuse montrer l'évolution. Ah oui, là, vas-y. Là, Et tu la aussi montes, toi? ouais, moi je la montre. Ok, et vas-y, quoi d'autre? Et t'avais le truc là, les statistiques de votre campagne actuelle comparées à celles de la communauté Europa Universalis. Ça te montre que chaque année j'ai perdu 7000 troupes. Statistique. Ouais. Tu la vois où, ça? Alors quand t'es. Alors, hop, tu vas dans. T'appuies sur échappe, statistiques, et en haut à droite, t'as un bouton. Un gros bouton Ah. avec un papier et une plume. Le dirigeant était Francis II, ok. Ah, mais moi aussi, il y a écrit que j'ai Francis 2. Je crois que Ah, c'était peut-être stat, c'est. hein. Ouais, Ouais. c'était stat. Ah non, parce qu'il y a Constantinople, je pense que c'est nos deux stats. Il y a Constantinople en bas. Notre province la plus développée, c'est Stockholm. Ah, bah, je sais pas. T'as dû Bon. avoir un roi qui s'appelle Francis. Et montrer Non. l'évolution. C'est parti. Ouais. Alors, tu Waouh. montres en vitesse quoi, toi? Moi, je monte en vitesse moyenne, quoi. Grosso modo. Là, je suis Ok. en Le 2, 1450. on lance, t'as déjà lancé? Ah oui, j'ai déjà lancé. Ok, bon, Vas-y, vas-y, je lance de bah, l'autre tu me côté. rejoins en 1453. Une fois que tu y es, je recommencerai. Ok, je suis en mai 53. Ah bah, on est synchro, c'est parfait. Alors, vitesse Regarde moyenne. la Suède, regarde le Portugal. Moi, je regarde au global un peu pour voir comment ça Ok. Et fait. regarde l'Albanie, elle avait pas mal de trucs. J'ai pas encore relancé. Hein. Ouais, moi non plus. Regarde l'Albanie, elle avait trois provinces. Ouais, Deux elle têtes. avait bien bouffé par rapport à Venise, quoi. Ouais. Tu me disais que Et tu dire que voulais. Florence, j'étais leur allié au début. Je sais pas pourquoi j'ai perdu leur alliance. Si j'avais gardé, j'aurais eu la PU, gros. Ah, peut-être, ouais, y a moyen. Bon, vas-y, on relance. 1, ouais, 1, 2, Vas-y, 3. deux. Moi, il y avait ma guerre contre la Moscovie, qui commençait à être très compliquée à un moment. J'avais toutes mes provinces assiégées. Ah, mais en vrai, t'as super bien géré ça. Ouais, bah ça me change de la partie avec les Mongols, n'est-ce pas? Ouais. Moi là, je suis vraiment au Maroc. Ouais, toi, tu t'implantes bien en Afrique. T'as commencé. Non, t'as pas commencé le nouveau Ouais, là, je suis pays. en Afrique de l'Ouest. Ouais. Ah, tu commences à te poser le pied au Portugal. Au Portugal? Au Portugal, Au ou au Brésil? Brésil, excuse-moi. Ouais. Ouais, moi je stagne pas mal, quoi. Non, mais Après, à quand t'as partir la du moment où Moscovie. t'as Ouais. pris le dessus. Non, à partir que. Ouais, c'est le moment où j'ai pris la Moscovie, ça allait beaucoup plus rapidement, quoi. Quand je commence à bouffer le Danemark, la Norvège et autres. Et tu vois, je crois que Constantinople, je l'ai eu assez tôt, hein. Là, je l'ai pas encore, mais. Je crois qu'à un moment, ouais, tu l'as eu. Je pense que c'est quand ils ont. T'as bouffé la Val quand ils ont bouffé la Valachie et un peu Venise, Naples se fait intégrer par Aragon. L'Angleterre est en train de bouffer la France, sans aucun problème. Ah, j'avais pris Copenhague là. J'étais en Afrique du Sud déjà.
Oh, mais toi, tu t'es développé tel un cancer. Voilà, là, je commence à bouffer petit à petit la Moscovie. Le Jutland. Constantinople est toujours ottomane. La France se faisait Ouais, ouvrez en violer. oh, là j'avais bien bouffé la Moscovie. À Fès, je m'en souviens de Fès, là, mon Ah vassal oui! musulman, j'ai galéré. Ah, tu m'étonnes. Ah putain, regarde, j'avais déjà tout l'Afrique de l'Est, là, déjà. Ah ouais, toute la côte du... J'étais déjà en Indonésie, tu vois, j'y étais en 100 ans, en Ah oui, mais toi Indonésie, en tu gros. commences à t'abuser. Ah, J'ai l'Autriche-Hongrie toujours était pas formée. Constantinople. Ouais, l'Autriche-Hongrie était formée. Moi, je commence à blober comme de façon indécente en Russie. Et Mais les j'aurais pas Ottomans, eu ils les avaient déjà becs. toutes les steppes. Hein. Ils avaient toutes les steppes, les Ottomans. Ah oui, c'est vrai, l'Autrichienne France. Oh là là, la France, franchement, ça aurait été vraiment une hécatombe. Tu l'avais qu'en 1600, quoi. Je sais pas, hein. Pour moi, c'était plutôt, non? Bon, voilà, Mais là, tu la vois, les Suède. Mamelouks ont duré longtemps. Ouais, la Ouais. Suède, elle est jolie. Ouais, belle petite Suède. Mais après, la colonisation de Sibérie, franchement, c'est... Voilà. Ouais, le plus fun. Putain, donc Moi... j'ai eu Constantinople moins de 100 ans. Ah, voilà, 1620 environ. Ouais. Et Ouais, là, tu vois, la les Ottomans Toscane étaient qui pas commence... super forts, hein. Non, 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 c'est vrai que... La Toscane Voilà, était pas Toscane. trop mal. Regardez Rome. Ouais, ils ont gardé Rome, ça, c'est très rare, quand même. Bah. Une jante sur quatre. Ouais. Et moi, j'avais de la Ouais. Taïwan. Bon, et puis là, c'était... Donc, j'avais commencé à coloniser, je crois. Ouais, voilà, j'étais arrivé au... Donc voilà. Bon, après, ça va être la fin. On commence à coloniser, ouais, le Vinland. Il y avait la Louisiane, machin, mais bon. Puis là, on commence à s'étendre avec guerre avec la Transoxiane, la pire guerre au monde. Tu te déplaces Ah de ouais. province en province, tu prends un an, quoi, à peu près. En vitesse 2, tu prends 6 mois dans ta vraie vie. Là, l'Italie va pas tarder à être formée, je crois. Ulm était badass aussi. Ah là, l'Italie est formée. Là, il y a la Ouais, ça petite fait guerre. que 10 ans. Putain, ça fait... ils ont duré que 10 ans. Et à la fin, qu'est-ce qui va... Et à la fin, le fort Ouais. entouré portugais. Voilà. Et donc, ouais. Non, mais c'était cool. Mais franchement, bon, c'est la première fois que je joue vraiment un pays nordique comme ça. Ah Au bout d'un... Ouais, c'est vraiment la toute première fois. Et bah déjà la colonisation de la Sibérie, c'est pas spécialement intéressant, je trouve, honnêtement. C'est ok, t'es gros, mais t'as rien, quoi. Faut être concret. Ouais, je suis vraiment sur un bon, en niveau tout un cas, peu, quoi. super game avec toi, Francis. Ouais, bah c'est partagé, mais Au je reste sur une plaisir. victoire, donc je suis content vis-à-vis de toi. Oh. Non, mais c'est bien, Victoire et au vite final, fait, hein. c'est cool que t'es quand même... Comment on dit ça, que t'es quand même misclic pour déclarer la guerre. C'est Non, cool mais quand je pense même que je l'aurais que... quand même lancé. Je l'aurais quand même lancé parce Ouais, parce que que on s'était j'avais dit de toute façon un ou deux épisodes. Là, je sais pas, ça fait combien de temps que l'épisode dure, mais il a pas. Ah, ça fait dépassé plus d'une largement heure. les 40 minutes, hein, il doit être à une bonne Ouais, heure, ça fait donc... plus d'une heure. Parce que j'allais pas faire deux épisodes où je gère mes rebelles et au revoir, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on Non, mais finit par c'est... un truc un peu épique et c'est cool, quoi. Bon, franchement, c'est... une bonne game, quoi. La prochaine fois, bah je sais pas quand on rejouera, quand on repassera, et qu'est-ce qu'on choisira, quoi, si on part sur une nation custom et tout. Enfin bref, il y a plein de choses à voir, quoi. Ouais, on verra. On verra peut-être avec des modes. Peut-être avec des mods, effectivement. Effectivement, on avait vu peut-être un mode je balance n'importe quoi à Game of Thrones ou un truc dans le genre, quoi. Un mode quoi? Game of Thrones, c'est je balance ça, Hein. je balance ça comme ça, quoi. Peut-être un mode 2018. Ah, un mode actuel, ouais, ça peut être sympa. Ouais, non, Avec mais j'ai pas cette envie de gérer l'armée des gilets jaunes si je joue la France, tu vois. Je suis sûr que si tu remontes
là en décembre 2018 dans le mode Il y a je peux Paris voir qui est... Paris Il y et a Paris qui... assiégé. Exactement. Paris et puis bah, Toulouse, Bordeaux, etc. qui est assiégé quoi. Ah, T'imagines? ouais, franchement Je sais ça pourrait pas être si... ma... Je sais pas Bah si je y a un sais que mode sur les... dans le mode bah, jusqu'au temps moderne, je crois que si tu t'arrives en 2016 ou 2017, surtout Quoi? 2016, tu vois la. Tu vois comment ça s'appelle l'Irak qui est assiégé par l'État islamique. Ouais, alors j'ai... D'ailleurs, c'est marrant que tu sais ce que j'ai regardé hier, et il l'est plus. Qui... Mais la... La Libye l'est, et l'est de l'Ukraine est assiégé par des pro-russes. Ah, pas mal. Ouais, ils ont bien géré leur truc, quoi. Donc en vrai, ouais, ça pourrait être marrant. Ouais, bah Ouais. ouais, un mode vraiment fun, quoi. Un mode Ouais, l'idée, c'est fun. quand même de changer un peu Ouais, de le changer, contenu, quoi. voilà. Sur nos chaînes respectives, on fait des vraies parties avec succès, ou pas, n'est-ce pas, la Mongolie? Ah bah tiens, la Mongolie, t'as vu ce qui reste à la Mongolie en 1715? Ah putain. Reste une Bah, je suis province. sûr qu'ils sont, je suis sûr qu'ils sont quand même plus forts que me... que moi. Mais non, dis pas ça. T'as Ouais, battu la Chine. bah... Je spoil ou pas? Bah, de toute façon, là, il n'y a plus d'épisodes qui sortent. De toute façon, je vais voir si je continue ou pas. C'est la grande question. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là quand même. Ouais. En tout cas, c'était vraiment cool ce dernier épisode. Bien, Très bien fun. fun. Très très fun. Bon, t'as pas trop de mérite, hein, parce que t'as eu besoin de l'Italie pour gagner, alors que moi, un contre un, je te défonçais. Mais bon. Écoute, c'est la stratégie qui veut ça, mon ami. La Ouais, ça stratégie. doit être ça. Voilà. On va Je dire pourrais ça. m'allier avec la Pologne. Franchement, la Pologne, elle me fait soupe, pas peur du tout, quoi. Bon, on s'arrête là? Ouais, on s'arrête là. Donc, bah, merci de nous avoir suivis À lors de cette tous. série. Et puis, on vous Et dit puis on à vous plus. dit à une prochaine. Ciao! Ciao.